traitement d'eau ici pour la ville de Québec, anciennement pour l'usine de Beauport, mais maintenant pour l'usine de Sainte-Foy. L'objectif du JATES, en réalité, c'est tout simplement d'optimiser le traitement, donc de purifier au maximum l'eau potable à travers un test qu'on appelle le test de flocculation en bêchère. C'est un test qui nous permet de déterminer les dosages exacts d'alun, de polymère, de chaux ou de microsable. Le test de flocculation de bêchère va nous permettre de déterminer le dosage d'alun en fonction de la couleur d'eau entrante, de la couleur d'eau brute. Donc, si l'eau brute augmente en couleur, on va augmenter tout simplement le dosage d'alun à l'aide du test. Ou si la couleur de l'eau brute diminue, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi diminuer la quantité d'alun qu'on rajoute dans l'usine. La première partie de la coagulation, c'est tout simplement la déstabilisation du milieu. Le milieu, je parle de la couleur qui est dans le bêcher. Cette couleur-là, il faut la déstabiliser. On la déstabilise avec un produit qu'on appelle le sulfate d'aluminium qui va nous permettre justement de faire la réaction de coagulation, d'initialisation de la déstabilisation. Donc Guy, pendant ce temps-là, en fait, toi, tu peux en profiter pour méditer sur la vie? Oui, c'est ça. C'est souvent une période où je fais de l'introspection. Ensuite, il va y avoir la flocculation. La flocculation, c'est tout simplement permettre aux flocs de se former et de maturer. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va rajouter le microsable qui va permettre aux flocs de s'alourdir et d'aller à l'étape suivante, qui est la décantation, c'est-à-dire le floc va devenir assez lourd pour tout simplement tomber dans le fond du décanteur, qui est en réalité tout simplement un réservoir. Exactement. Le floc qui a décanté, lui, on l'enlève à l'aide de pompes qui, elles, vont soutirer ces bouts-là, vont les envoyer vers l'usine de traitement d'eau usée pour être ensuite traité à cette usine-là.